Bonjour, nouvelle vidéo du samedi midi, une petite surprise pour ce nouveau morceau. 2019, à l'année à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien, c'est la célébration du 230e anniversaire de la Révolution française. Cette révolution, j'ai eu l'impression de l'avoir vécue. Il y a un moucheron qui passe devant l'écran, bah oui, hein, il fait sa star aussi, lui. J'ai l'impression de l'avoir un peu vécu, alors je ne suis pas si vieux que ça. Hein. C'est juste que pendant le bicentenaire de la Révolution française, pour ne pas savoir qu'il y avait une révolution 200 ans auparavant, il fallait vivre dans une grotte ou vivre à l'étranger, mais si on vivait en France, ou si on passait par la France, on ne pouvait que le savoir, quoi. À moins de rien vouloir voir ou de rien vouloir entendre, etc., parce qu'on ne parlait que de ça. Tout le temps, il y avait plein de commerçants qui faisaient des produits dérivés de la Révolution française. Et alors moi, j'ai beaucoup aimé cette période. Déjà, j'avais étudié cette période en cours d'histoire, ça m'avait passionné. Et puis surtout, j'avais été choisi comme figurant pour tourner un film. Enfin, pour tourner, c'est pas moi qui tournais le film, j'étais donc figurant d'un film de 10 minutes sur la colline de Valmy. C'est une allégorie sur la bataille de Valmy, donc la bataille de Valmy de 1792. Bon. Donc une sacrée époque. Un jour, peut-être que je te raconterai ça en détail. Tu vois, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, donc, la bataille de Valmy, 1792. Et puis alors, j'avais tellement été intéressé par à cette époque, donc il y a 30 ans, j'avais acheté ce recueil qui s'appelle « Chants et compositeurs de la Révolution française » que j'avais payé 80 francs à l'époque. Bon, c'était une fortune pour moi. J'étais en classe de seconde, j'étais lycéen. Et bon, bah, j'avais... C'est l'année à laquelle j'ai commencé à avoir de l'argent de poche, quoi. Donc 80 francs, pour moi, c'était mon mois d'argent de poche. Hein. Donc c'était un sacrifice de... Enfin, pas un sacrifice, mais disons que c'était quand même une somme d'acheter ce bouquin. Et dedans, il y a la Carmagnole. Et la Carmagnole, c'est justement, en tout cas la date qui est écrite dans ce livre, c'est justement 1792. Je me suis amusé au piano à jouer, puisqu'en fait, il y a l'arrangement pour piano, à jouer la Carmagnole au piano. Et puis, j'ai eu envie, en fait, de reprendre ce morceau pour cette vidéo du samedi midi. Plutôt que de le faire à la version originale, je me suis amusé à reprendre la mélodie, à penser l'harmonie autrement et écrire de nouveaux accords, un nouvel arrangement. Et même rythmiquement, ce n'est pas exactement la mélodie originelle. Et donc, j'en ai fait un morceau de jazz. Et oui, voilà, la Carmagnole en jazz. Bon, voilà. Donc, je te fais une démonstration. Et à la fin de la vidéo, je t'explique comment tu peux réussir à jouer toi aussi ce morceau avec cette version. Tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique ? Génial ! Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Ok, alors je te joue ce morceau. Donc, sur une bête de course en si bémol. Donc, voilà, BB, c'est si bémol. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un morceau qui peut être soit de niveau 1, soit de niveau 2. C'est pas que j'hésite, c'est que les deux sont possibles. Donc, tu peux jouer toute la mélodie seulement dans le médium aigu en niveau 1, c'est-à-dire si tu ne sais jouer que les notes naturelles, soufflées, aspirées sur ton instrument. Ou si tu es de niveau 2, tu peux le faire aussi en grave médium, c'est-à-dire avec des altérations aspirées, notamment le 3 altéré deux fois. Ok, allez, démonstration, et à la fin, je t'explique comment tu peux apprendre à jouer ce morceau.
Ok, ce morceau t'a plu? Génial! Alors, tu vas apprendre à le jouer? Super! Alors, pour cela, tu peux cliquer sur le « i » comme « invitation » ou sur le lien en bas de cette vidéo dans la zone de description. En fait, voilà comment ça fonctionne. Tu vas être redirigé vers un catalogue où tu pourras choisir de suivre le cours justement pour apprendre à jouer ce morceau ou plein d'autres morceaux parce que toutes les vidéos du samedi midi maintenant font partie d'un catalogue que j'appelle les morceaux du Club 52. En fait, le Club 52, c'est quoi? C'est le fait que tu puisses soit t'abonner à 52 morceaux par an, donc évidemment, tu as un morceau par semaine, ce qui te donne un tarif très avantageux et qui te permet toutes les semaines d'apprendre à jouer un nouveau morceau avec la méthode que je vais t'indiquer, ou tu peux aussi prendre des cours à la carte. Alors, évidemment, tu as le prix fort à chaque fois, mais c'est quand même pas un prix très élevé. C'est beaucoup moins élevé que de prendre un cours particulier en direct, alors que tu as l'équivalent en fait de 6 heures de cours particulier quand même. Donc tu as toute la semaine pour travailler ton morceau, donc si tu en fais une demi-heure par jour, à la fin de la semaine, normalement tu sais le jouer. Donc soit niveau 1 si tu ne connais pas encore tes altérations spirées, soit niveau 2 si tu les connais déjà. Et alors la méthode que j'utilise, c'est une méthode en 7 vidéos, et je t'indique tout ça dans la vidéo de présentation du morceau, mais j'utilise en fait ce que j'appelle la méthode dérive. Donc dérive, c'est D comme déchiffrage de la partition, E comme extraction des passages difficiles, R comme réintégration des passages difficiles, anciennement difficiles dans le corps du morceau, I comme interprétation rythmique, V comme variation mélodique, E numéro 2 comme effet de l'instrument qu'on peut jouer pour sublimer la mélodie, et 7 comme solo, c'est-à-dire la partie d'improvisation. Et donc tu me vois travailler le morceau en même temps que toi, en vidéo. Et tu as des ressources téléchargeables et tu peux même me poser des questions et je te réponds évidemment par écrit. Ok ? Donc voilà, tu as vraiment tout un cours complet pour apprendre à jouer la carmagnole en jazz. Donc le i comme invitation ou le lien dans la description. Voilà, si tu as aimé ce morceau, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo avec tes amis, ta famille, tes professeurs, tes élèves, que sais-je. Et également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur tout ce que tu veux, ou même sur ta propre chaîne YouTube si tu en as envie. Voilà, je te souhaite bonne musique et je te dis à très bientôt pour un nouveau cours sur cette chaîne YouTube. Et en tout cas, rendez-vous samedi prochain. Oui, mais samedi midi.